Selon les informations publiées par les membres du régime de Brazzaville, 2 milliards de francs CFA ont disparu dans les caisses de la Banque Postale du Congo après avoir été hackés par un réseau de malfaiteurs camerounais. Croyez-vous à une telle fantaisie? Gardez à l'esprit ceci. Dans une histoire, il y a deux versions. Il y a celle qui est vendue au public et celle qui est cachée, mais connue par les personnes averties. La Banque Postale n'a pas été victime d'une organisation de malfaiteurs comme on veut vous le faire croire, comme on veut vous le vendre. Il s'agit d'une énième tromperie qui consiste à duper la vigilance de la population. L'argent a été détourné par le régime, puis caché à l'étranger. Des voleurs qui crient aux voleurs. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous croire à un groupement de bandits qui ont siphonné l'argent des générations futures sans même qu'il y ait un procès? Denis Sassou Nguesso a détruit et a volé l'argent du Congo, comme vous pouvez le constater. C'est une réaction à chaud. Nous allons y revenir dans nos prochaines publications.